Bonjour, c'est Sophie, des livres préférés de mes enfants. Je vous présente l'album Les lunettes des animaux des éditions Père Castor Flammarion Jeunesse. Il s'agit d'un album pour faire découvrir le monde des lunettes aux plus jeunes avec 5 paires de lunettes repositionnables à l'infini, plus mignonnes et craquantes les unes que les autres. Alors moi j'ai un vrai coup de cœur pour cet album. J'espère vous le faire partager. Alors regardez déjà. Voilà, des pages renforcées en carton. Je vous commence la lecture. Léon, l'ourson, est triste. Il ne peut plus s'amuser avec ses amis. Aldo, le veau, Anaï, le porcelet, Lucien, le chien et Zacharie, la souris. Car depuis quelque temps, Léon, l'ourson, ne voit pas bien. Alors il fait des bêtises. Parfois, il tombe. Il a besoin de lunettes, c'est certain, grâce à elles, il verra enfin. Tiens, prends mes lunettes, aboie le chien. Elles sont fantastiques, si brillantes, si amusantes. Avec, tu verras enfin. Léon, l'ourson, répond timidement. Non, Lucien, tes lunettes sont trop bizarres pour moi. Et c'est mes lunettes, quiz Zacharie, qui sont si petites, si mignonnes. Elles tireront à la perfection. Cette fois, Léon l'ourson ronchonne des lunettes de souris, sûrement pas, c'est beaucoup trop petit. Regarde, mugit Alvo le veau, mes lunettes ne risquent pas d'être trop serrées. Comme ça, tu seras chic quand tu les auras sur le nez. Léon proteste aussitôt, mais enfin, tes lunettes sont trop grandes pour moi. Les miennes, s'exclame Anaé. Sur le museau d'un ourson ou le groin d'un porcelet, elles sont tellement élégantes, tellement raffinées, vite essellées. Léon plisse les yeux et soupire. Impossible! Pour un ours, ces lunettes sont vraiment trop coquettes. Merci, les amis. Mais Léon sait que pour bien voir de près comme de loin, il lui faut une paire rien qu'à lui, à sa taille et à sa vue. Léon, l'ourson, est ravi avec ses copains les animaux. Le voilà prêt pour une superbe photo. 3, 2, 1, tout le monde sourit. Léon maintenant voit mieux, ses lunettes sont comme de nouveaux yeux.